Bonjour Pierre. Donc, on va commencer les cours sur la chaîne YouTube et on devait travailler l'étude 6 de Leo Brauer. C'est une étude d'arpège. Donc, tu vas beaucoup travailler la main droite. D'un coup, pour les quatre premières lignes, ton doigté main droite, il va être toujours le même. Regarde bien. Ça va être pouce, annulaire, majeur, index. Pouce, cinquième corde, index, annulaire, majeur, index. Donc, encore une fois. Ça, c'est ton doigté main droite. Pouce, annulaire, majeur, index. Pouce, annulaire, majeur, index. Pouce. D'accord? Ça va être pendant les quatre premières lignes. Après, tu vois, on va regarder main gauche. Donc, tu vas passer quatrième position. Et ça, c'est ta première position dans la main gauche. Tu vois, première position. Chaque position, tu le fais pour deux mesures. Donc, première position, deuxième position, troisième position. Tu glisses la position, ça c'est la quatrième. Cinquième position. Sixième position. Ça c'est concernant la main gauche. Première, regarde bien. Tu es sur la quatrième position de ta guitare. Donc, ré dièse, premier doigt. Do dièse, troisième doigt. Sol, deuxième doigt, quatrième corde, pardon, La, quatrième doigt, ça, il va sur la quatrième corde et septième casse. Et après, tu fais toutes ces positions avec les doigts et la main droite dont je t'ai expliqué tout à l'heure. Première position, regarde. Ça sont les tout ça sont les quatre premières mesures, les quatre premières lignes, pardon, de ton étude. Pas problème si tu as un tout petit peu de mal avec la vidéo, mais moi aussi c'était pas évident. Mais tout écrit, tous les doigtés sont écrits sur ta partition, donc t'inquiète pas, ils sont tous écrits sur la partition. T'as qu'à regarder, les positions aussi sont écrites sur la partition. Si tu as des questions, si tu as des hésitations, si tu n'as pas compris des choses, tu peux m'écrire. Même si tu arrives, si tu commences à travailler ça, et tu trouves que ça, que tu as envie de me montrer ton travail, tu peux m'envoyer aussi des vidéos. Donc, bon courage et travaille bien et n'hésite pas à me contacter si tu as des questions ou si tu as besoin à nouveau d'une explication. À très bientôt. Ciao.